je flânais le long d'une plage quand je vis devant moi, flottant porté par la marée, un beau coffret de bois. J'ai pris le coffret, l'ai ouvert, me croira qu'il le veut. Dedans il y avait un, juste devant mes yeux. Ah, dedans il y avait un, juste devant mes yeux. Ah oh, bah ça c'est curieux ça. Ah oh, bah mince alors. Heureux de cette découverte, je courais comme un fou chez un antiquaire, un voisin qui achetait de tout. À peine entré, il m'a crié, avant qu'on parle argent, sortez-moi d'ici sop, ou j'appelle un agent. Oh, sortez-moi d'ici sop, ou j'appelle un agent. Tiens, il n'aime pas ça. Mais pourquoi qu'il n'aime pas ça? Oh, ne tenant pas pour ce coffret à faire de la prison, j'ai pensé l'offrir à ma femme qui était à la maison. Mais elle a hurlé comme une folle en envoyant le contenu. Sors d'ici avec ce, et ne reviens jamais plus. Oh, sors d'ici avec ce, et ne reviens jamais plus. Eh ben, il n'a pas de succès là. Oh ben c'est drôle ça. Forcé de me débarrasser du coffret encombrant, je cherchais par toute la ville et trouvais un mendiant, me disant, enfin celui-là, je vais lui faire plaisir. Mais quand il a vu le, il s'est mis à courir. Oh, mais quand il a vu le, il s'est mis à courir. Ben alors, si même un clochard refuse le machin, j'y comprends plus rien, moi. Esclave du coffret, de longues années j'ai souffert. Puis un jour, je suis arrivé avec, devant Saint-Pierre. En me voyant, sa voix fit trembler le ciel de colère. Tu oses apporter ce, remporte-le sur la terre. Oh, tu oses apporter ce, remporte-le sur la terre. Eh ben, je me porte à pas me mettre en pétard avec le ciel pour ça, voyons. Oh, et la morale de cette histoire est que si vous voyez flottant porté par la marée un très joli coffret, c'est peut-être un trésor. Prenez-le, ouvrez-le, oui mais si vous y trouvez un, laissez-le où il est. Oh, si vous y trouvez un, laissez-le où il est. Mais au fait, vous savez ce que c'est que le... Non ? Eh ben moi non plus.